tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de regarder, ça va être la fabrication du piston. Donc, c'est quelque chose qui est pas plus compliqué que ça à faire. Donc, un bout de cylindre et puis un bout de rond cylindre, quelques épaulements. Par contre, on a une tolérance à chiette. J'ai mis un coup d'alésoir donc dans le cylindre. Les joueurs achètent, donc il va falloir ajuster la tête de piston donc au cylindre, ce qui me paraît complètement logique. Oui, achète normalement un forêt, ça produit du H11. Ouais, si c'est ça, H11. Et donc l'alésoir donne la qualité achète, ou d'autres alésoirs donnent d'autres qualités, et là ça donne du achète. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on pourra pouvoir essayer ensuite. On a quelques méplats à faire. Bon, rien de sensationnel, hein. Quelques méplats ajustés sur le vilebrequin que j'avais fait dans une vidéo précédente. D'accord? Je vais mettre 3. Donc, voilà. Donc, 3 H11 pour le trou. Je pourrais pas faire mieux. Donc, on va regarder ça. On va regarder ça tout ensemble. Tout de suite là, vu qu'il fait bon, j'ai mis la chaudière là. Chantier que c'était encore pour m'y mettre. Enfin, bref. Et on va pouvoir regarder ça. Donc décolletage, donc BRS, donc brasse. Donc pour regarder ça. Allez, on est parti. Donc voilà, donc comme à l'accoutumée sur ce tour, j'ai mis en place dans le Morin 4 morts. Parce que je m'en sers vraiment. Je préfère utiliser le Morin 4 morts sur ce tour-là. Donc j'ai pas utilisé l'EMCO parce qu'en fait sur l'EMCO le problème c'est que c'est pénible à filmer pour moi pour travailler quand j'ai les caméras parce qu'elle peut pas être fixée sur le tour, sur les chariots et du fait de la prise de place du pied magnétique sur le tour. Et c'est vrai que c'est à chaque fois ça se fait tomber le machin, c'est chiant. Donc je préfère utiliser ce tour-là quand je filme. Donc j'ai fait quelques vidéos sur le tour parce qu'il y en a qui me le demandaient. Donc j'ai essayé de répondre à leur attente. Donc voilà, donc je vais en refaire hein, dessus, vous inquiétez pas. Hein. Mais pour ce coup-là, pour une petite pièce au hasard comme ça, ça suffit amplement d'être là-dessus. Il tient la précision, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc on a un vieux bout de rond d'une barre, il y a un vieux trou dedans, on va le supprimer, c'est pas un problème. Hein. Donc longueur 36 de long, et puis on va garder le plan quand même. Parce que c'est quand même le but de la manœuvre, qu'on soit quand même pas trop mauvais au niveau des côtes. Mettre ça là, voilà, impeccable. Chantier là-dedans. Donc oui, 36 de long, 12 de la tête du piston. Des gorges de 1 pour l'huile qui fera faire office de segment. Et 4 en longueur. Oh, c'est bon. Non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, on a un diamètre 3. Je vais peut-être me mettre à un diamètre 4, 4,5, 5. Parce que 3 à chaque fois c'est pénible et j'ai peur après pour le. Je préfère un peu surdimensionner. Voilà. Et après, sinon, ça va surtout être pénible pour tailler la gorge entre les deux. Donc à ce niveau-là, je pense y voir, à ce niveau-là, c'est assez pénible à chaque fois. Donc je vais m'en contenter de ça. Donc voilà, donc une plaquette TCMT. Donc un rayon de nez de 0,8. Donc plutôt pour de l'ébauche. Donc, pour dégrossir, ça va très bien le faire. Ce chargeur me fait chier. Voilà, on va le foutre là. Donc voilà, TCMT. Et rayon de plaquette 0,8. Et puis en avance, je vais mettre à peu près à 840 tours. Et puis avance 0,1 mm minute, je pense. Comme d'habitude. Hein. A4, voilà, impeccable. Dans le bon sens. Et on est parti. Thank you.
Donc on peut voir le pour l'instant l'ajustement qui est encore bien serré. Donc c'est normal. On peut voir qu'on est vraiment à un chouïa de la fin. Donc on est à 10, 10,03. Ouais. Donc je pense que ça va se terminer à la lime tout ça. Parce qu'avec l'outil, on va manger la côte. Et on va avoir trop de. Va avoir après trop de jeu. Il va trop brinque-baller là-dedans. Donc ça sert à rien. Je préfère finir à la lime. Bingo! Là, on a quelque chose de bien. Je suis très satisfait. Ça va. Ah oui, c'est vraiment bien là. Sachant que toute cette partie-là sera évidée, donc. Il y a peut-être encore un peu de jeu. Ça devrait le faire. Oh oui, c'est pas mal là. Pas mal du tout. Même. Donc prochaine étape, traçage et évidement de la partie Donc qu'on on a a fait. un trou à. Un trou, un premier évidement à faire à 12. Donc ce sera la fin de la tête de cylindre. On va régler ce machin à 12. Voilà, plus ou moins. Hein. Voilà. Et l'autre, on va régler ça à 28. Vingt-huit zéro cinq. Hop. Voilà. Donc cette partie-là, on n'en veut pas. Cette partie-là est à évider, donc on va regarder le choix de l'outil. Donc voilà, donc à mes grands regrets, il a fallu que je me l'in. Donc on va utiliser celui-là. Voilà, donc à peu près à 5-6 de diamètre, hein. Il faut que ce soit évidé de toute manière. Ça gênerait même pas si c'était pas évidé. Mais je préfère le faire, donc ça fait plus esthétique Cahier de la aussi. matière, là on est un peu sorti du mandrin. C'est vrai que là, hop, putain, si je vous mets pas dans le bon angle, ça va pas le faire. Voilà, donc on est un peu sorti du mandrin, c'est pas grave. Bon, ça va le faire, hein. Faut pas s'énerver, seulement c'est tout. Donc on va voir ce que ça donne. Allô, dead you! Là. Oh putain. Je peux toujours y aller hein, s'il n'y a pas de. On va mettre une butée de l'autre côté. Paf, on s'arrête là. Je mets la butée. Ça débraye ou pas? Non. Avec 0,06 mm par tour.
Donc c'est pas vraiment un outil fait pour couper dans ce sens-là. C'est simplement un outil dans l'ombre pour faire des petites gorges. Donc rien de spécial là-dedans. Donc il coupe pas vraiment, il n'est pas fait pour couper sur les côtés. Parce qu'on peut le voir avec les. On peut le voir avec les petites bavures qui ressortent. On va garder ce diamètre. On a combien? 5,5. Six. Cinq 90. Eh ben, 5,90. On va reprendre encore, on va descendre à 4,5. Allez, on est reparti. Je suis désolé de terminer sur ce plan de vue complètement minable. Ma caméra n'a plus de batterie. Non, dead you, non, dead you. Donc ça arrive de temps en temps et là malheureusement c'est arrivé. Pourtant elle était branchée, mais bon elle a décidé de pas fonctionner. Donc il y a des jours comme ça, ça fait chier. C'est comme ça, ça fait chier, c'est comme ça. Bref, donc voilà, le piston est maintenant, le corps du piston est presque terminé. Voilà, donc celui-ci est n'est pas encore terminé, il restera sur toutes les pièces, il reste des finitions à faire, d'accord. Dans les vidéos, j'ai seulement dégrossi les pièces, on va dire, donc on peut voir justement, d'accord, qui est vraiment pas mal du tout. Donc j'ai juste dégrossi les pièces, il y en a qui sont terminées, il reste les axes à faire, tout ça, j'ai pas terminé. Il reste des finitions à faire, donc ça fera l'objet d'une vidéo, donc peut-être plein de photos, plusieurs vidéos que je ferai de temps à autre,
Parce que après, c'est un épisode qui serait pas forcément bien organisé, donc ce serait plus difficile. Déjà que mes épisodes sont pas bien organisés, enfin bref. Donc voilà, le bestiau terminé. Donc c'était un peu le chantier pour y terminer, mais bon, on y est arrivé. Voilà, donc il y a encore les traces de traçage. Il est bien fait. Puis l'ajustement, surtout, l'ajustement est vraiment tip top dans entre le cylindre et le piston. D'accord? On a vraiment pas beaucoup de jeu. C'est ce qu'il faut de toute manière. Donc on verra. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, la prochaine vraie vidéo que je vais faire, je pense qu'il fonctionnera. Si tout se passe bien, il fonctionnera. Si tout se passe mal, il ne fonctionnera pas. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionnerait pas. Donc voilà. Il restera, je vous dis, guider tes définitions à terminer, des petits axes à faire. Mais ça, c'est rien. C'est l'objet de quelques heures de travail encore. Et sinon, c'est bon. Donc voilà, on peut voir toutes les pièces maintenant terminées. Voilà. Toutes les grosses pièces du moteur sont terminées. Il ne reste plus qu'à les assembler. Donc, le piston, le corps qu'on a terminé il n'y a pas si longtemps. Le piston de la semaine dernière, d'accord, et bien sûr le palier qui restera ajusté dans le machin et le vilebrequin qui ira avec ça, d'accord. Donc voilà, donc j'espère que ça vous cette vidéo vous aura plu malgré les petits inconvénients de la fin de vidéo. Faut vraiment que je regarde ce câble, il doit avoir un faux contact. Donc voilà. La mise au point est vraiment à chier, c'est un téléphone, c'est normal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la fabrication si vous avez une lampe et si vous en avez loupé une. Oh, vous en avez loupé une? Bah allez-y voir, il n'y a pas de problème. Donc voilà, toutes les grosses pièces sont terminées. Maintenant, il restera les finitions et l'assemblage à faire et peut-être un test très rapide. Donc je vous tiens au courant, n'hésitez pas à regarder les dernières vidéos et à la prochaine. Salut tout le monde!